Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour cette vidéo dans laquelle j'aimerais qu'on parle ensemble de lecture rapide. Comment réussir à lire un livre rapidement? On n'a que 24 heures sur une journée et malheureusement, la lecture, c'est un truc qui passe très facilement à la trappe quand on n'a pas le temps de tout faire ce qu'on voudrait faire. Je suis un grand fan de lecture, je lis beaucoup de livres, pas assez à mon goût, mais j'ai réussi à mettre en place quelques petites méthodes que j'ai envie de partager avec vous à travers cette vidéo et qui m'aident à lire de manière plus rapide. Je ne parlerai pas ici de lecture type roman. Bien évidemment, bâcler un roman, c'est perdre un peu la magie du livre. Je parlerai donc ici uniquement et strictement de lecture informative qui nous permet de nous développer, d'apprendre de nouvelles choses et de s'enrichir. On va commencer par les bases, par le classique. Il y a dans chaque livre une table des matières, à savoir quelques pages qui nous montrent en gros comment est structuré le livre, quelle page parle de quel sujet et du coup on sait approximativement l'info qu'on aura à travers les pages. Pour moi c'est très simple, je me suis rendu compte à force de lire beaucoup de livres, il y a à chaque fois des parties qui m'intéressent clairement pas. L'introduction, personnellement, ces livres à l'américaine où le gars parle pendant quasiment 40-50 pages pour nous dire un petit peu qui il est, ce qu'il fait, comment, pourquoi, ça n'apporte pas des masses de valeur, ça pose un contexte mais qui à mon goût prend parfois trop de place. Du coup, je prends ma table des matières, je regarde combien de pages durera l'introduction, je regarde quels sont les chapitres, lesquels m'intéressent déjà par rapport à ce livre, par rapport au sujet. Et en fait, ce que je fais, simplement, je sélectionne en avance les chapitres qui m'intéressent. Donc peut-être que je ne vais pas consommer 100% du livre, mais en fin de compte, je vais uniquement consommer le contenu, l'info, le sujet qui m'intéresse réellement et ce pour lequel j'ai acheté ce livre. Et ça dépend des périodes et des instants où des chapitres me parlent plus que d'autres. Mais ce que je fais, c'est que du coup, une fois que je sais que je les ai lus, j'écris dans mon livre lu, et ce qui fait que quelques semaines, voire mois après, si un des autres chapitres me revient à l'esprit pour me dire « Ah mais attends, ce livre parlait de ceci ou de cela », du coup je reprends mon livre et cette fois j'ouvre le chapitre en question qui m'intéressera. Ensuite, deuxième méthode qui me permet de lire bien plus rapidement, ça a été prouvé à travers différentes études, c'est en fait de suivre le texte avec son doigt. Et en fait, si maintenant on lit une page standard, et que maintenant on essaye juste de balayer le texte, le problème c'est qu'en fait nos yeux risquent de s'arrêter sur plusieurs mots, ce qui fait que ça va faire en fractionné. On va s'arrêter sur un mot, sur un mot, sur un mot, sur un mot, sur un mot. Alors qu'en fait si maintenant on prend un doigt, une règle ou un stylo et qu'on suit le bout du stylo, en fait on a le regard qui est fluide, du coup on balaye de gauche à droite et en fait on suit le texte. Ce qui fait qu'on est bien plus rapide que si maintenant on essaye de lire rapidement uniquement avec l'œil. Donc testez, prenez un doigt, mettez-le sous le texte, vraiment suivez votre doigt, lisez le texte. Et moi personnellement, je me rends compte que je lis bien plus rapidement comme ça. Il y a une autre méthode qui est approximativement similaire, qui consiste à supprimer quelques mots sur la bordure droite et la bordure gauche. Et paraîtrait-il qu'on peut réussir à garder une bonne partie de l'info si on lit uniquement ce qui est au milieu. Personnellement, c'est pas digeste, j'ai essayé, mais de lire ce qu'il y a uniquement au milieu d'une page, j'arrive pas à comprendre vraiment le contexte et en fin de compte, j'ai quand même un petit plaisir à lire un petit peu une page qui a été structurée, qui a été mise en page, où il y a une histoire, il y a un contexte. Donc j'ai plus de plaisir personnellement quand je lis la page en entier plutôt que juste bâcler. Donc j'essaie un peu trop un juste milieu entre plaisir et entre information, enrichissement, accès à l'info de manière rapide et simple. Et personnellement, le fait de mettre mon doigt et de le suivre, pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, comme troisième astuce, c'est de ne pas lire les mots dans sa tête. Je l'ai fait pendant très longtemps et en fait, inconsciemment, quand je lisais un livre, dans ma tête, vraiment, je lisais les mots et je m'arrêtais parfois sur les mots. Et en fait, le fait de lire les mots dans ma tête, je me bloquais vraiment sur certains mots et dès l'instant où mon cerveau se bloquait sur un mot, en fait, je perdais quasiment les 3-4 lignes qui suivaient après, ce qui fait que je revenais en arrière, ce qui fait que du coup, ça me prenait beaucoup plus de temps parfois pour réussir à lire une page. Donc, j'aime mieux avoir en tête une image d'un regard qui balaye vraiment la page, qui prend l'info au fur et à mesure sans s'arrêter vraiment sur des mots, ce qui fait que chaque fois, ça interrompt la lecture. Alors, faites un test, lisez un livre normalement et vous remarquerez directement si vous lisez ou pas dans votre tête vraiment à voix haute le texte. Et moi, en tout cas, je le faisais à chaque fois et depuis que j'ai arrêté, je lis beaucoup plus vite. Et ensuite, comme dernière étape, c'est de se donner un temps limite. Moi, perso, environ une demi-heure le soir des fois avant de dormir, donc je me donne vraiment une demi-heure chrono, pas plus pas moins, et je me dis ok, je lis le max possible pendant une demi-heure. Et en fait le fait d'avoir un temps à dispo, bah du coup je me pose et c'est mon instant, on va dire, déconnexion. Je prends mon livre et je me rends compte que je suis plus productif dans ma lecture, où mon cerveau se conditionne parce qu'il sait qu'il a un temps donné, ce qui fait que je suis plus concentré et du coup j'arrive mieux à assimiler l'info que j'ai sous les yeux et en fin de compte j'arrive à mieux lire de manière plus rapide. Maintenant personnellement, j'ai pas envie de voir la lecture comme un sport. Je sais qu'il y a des tests qu'on peut faire en ligne, on peut réussir à tester sa lecture rapide. Perso, le but c'est pas de m'améliorer, de devenir un excellent lecteur rapide. Au contraire, c'est juste de réussir à optimiser au mieux mon temps, à me dire que si maintenant j'ai que 15, 20, 30 minutes devant moi, bah je pourrais réussir à lire le max possible sans prendre trop de temps non plus.
Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu, que ça reste du plaisir. Et je pense que lire avant tout, ça doit vraiment rester un plaisir. Faut pas le faire pour un esprit sportif. Le but, c'est vraiment de s'enrichir, c'est de prendre de l'info. Et quand même, quand on y pense, un livre, c'est un côté assez puissant. C'est une personne qui s'est renseignée, qui a appris des choses, qui transmet de l'info. Donc il y a un côté quand même très, très fort, je trouve. On peut vraiment réussir à s'enrichir de manière très facile. Donc je pense qu'il faut vraiment que ça reste un plaisir. Mais après, bien évidemment, si maintenant on a envie de faire plein de choses en même temps, il faut qu'on puisse optimiser au mieux son temps. Et du coup, pour moi en tout cas, ces petites méthodes que j'ai mis en place me permettent maintenant de lire de manière plus rapide tout en gardant quand même ce plaisir. Ensuite, en parallèle de cette lecture rapide, ce que je fais, c'est que chaque fois que je lis un livre, je prends des notes juste à côté. Et vu que je lis beaucoup de livres, des fois j'ai un peu de la peine à me rappeler quel livre parle de quoi, quand, comment. Ce qui fait qu'en fait, je résume de manière très condensée tous mes livres. Je prends une note. Je vous montre juste un exemple tout bête, le livre que j'ai montré avant. Donc quand je lis, j'ai mon iPad ou mon téléphone avec moi. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un chapitre, une partie ou une page qui me marque, je l'écris directement dans l'application. Je passe par Notepad, si jamais je mettrai le logo ici. J'en ai déjà parlé. Perso, c'est un truc que j'adore, une application où je peux réussir à structurer plein de notes. Et vraiment, j'écris plein de notes à chaque fois que je lis un livre. Du coup, je me rappelle un petit peu ce que dit le livre. Je sais qu'il y en a qui mettent des post-it, qui mettent des textes, qui surlignent dans le livre. Moi, je suis pas un fan de reprendre mon livre à chaque fois. Parfois, je suis au bureau, des fois, je suis en rendez-vous, je suis en déplacement. Et d'un coup, je me rappelle qu'il y a une info qui était super intéressante dans un livre. Et je veux vraiment avoir accès à cette info maintenant, tout de suite. Du coup, le fait de l'avoir sur un support digital, en fait, j'ai accès quand je veux, où je veux. Ça peut être à la maison, dans le métro, dans le train, au bureau, en rendez-vous, peu importe. Et du coup, quand il me faut une info sur un livre, je me rends dans mon application, je clique sur la note que j'ai prise pour ce livre et directement, j'ai l'info sous les yeux. Après, c'est pas non plus des pages et des pages que j'écris. J'ai vraiment, je mets les highlights, juste ce qui me marque. Et si d'un coup, il y a un conseil, une méthode ou un truc que je pourrais appliquer où je me dis, tiens, mais ça, un jour, j'en aurais besoin. Vraiment, j'écris par exemple pour un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, qui s'appelle Hyperfocus. J'ai vraiment juste mis les quelques petits conseils, les quelques petits points importants. Donc, c'est même pas une page A4 de résumé. Mais à la fin, j'ai vraiment accès juste au jus de citron que j'ai pressé d'un livre. Ce qui fait que du coup, ça me facilite vraiment l'accès à l'info. Ma fréquence de lecture, elle est d'environ d'un livre par semaine. Il y a des semaines, j'y arrive, d'autres pas. Maintenant, j'essaye de maintenir cette routine de lire le soir pour être transparent avec vous. Il y a des semaines, j'arrive bien. D'autres semaines, c'est impossible. Je suis juste mais déboussolé et décalé à fond au niveau horaire. Mais je pense que c'est ultra important de vraiment maintenir ce rythme de lecture parce qu'il n'y a rien de plus puissant pour avoir accès à de l'info de manière très facile. Donc à vous de trouver votre méthode, votre rythme de lecture. Si vous kiffez lire lentement, tranquillement, faites-le. Si vous avez le temps de le faire, tant mieux. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu la peine à trouver le temps, je pense que ces petits conseils de lecture rapide pourront être utiles. Voilà ce qui résume cette vidéo sur la lecture rapide. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.